Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons faire une série d'applications. Donc, tu dois savoir que si tu regardes cette vidéo, il y a plusieurs autres vidéos qui vont suivre et tu vas pouvoir découvrir des nouvelles applications dans l'année 2024. J'ai eu à diminuer un peu le volume des vidéos vues avec la canne. Vraiment, tout le monde est stressé avec cette canne-là, donc raison pour laquelle je ne fais pas trop de vidéos comme ça. Donc aujourd'hui encore, nous allons découvrir des applications. Pour la première application que je vais vous présenter dans cette vidéo-là, le 14 février arrive, donc vous allez voir une superbe application qui va vous permettre de trouver vous aussi votre âme sœur. Et vous allez voir que vous aurez même cette possibilité-là de pouvoir avoir des filles, voilà, des hommes, ça dépend de qui nous regarde, voilà, des filles, des hommes qui sont absolument proches de vous. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous aussi vous faire des amis, pourquoi pas trouver l'âme sœur avec cette application. Donc n'oublie surtout pas de t'abonner et aussi de partager cette vidéo à tes amis. Voilà. Donc comme je le disais, l'application que nous allons découvrir ensemble se nomme l'application Badoo. Vous pouvez le voir ici, c'est bien cette application-là, Badoo. En gros, Badoo, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir faire des rencontres assez sociales, pouvoir vous faire aussi des amis. Donc comme on le dit si bien, être dans le jeu de rencontres peut être vraiment difficile pour certains et facile pour d'autres. Cela dépend vraiment de ce que vous recherchez. Il n'y a pas de rendez-vous sûr ou garanti. Donc comme je vous l'ai dit, à l'approche de la Saint-Valentin, voilà, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai voulu déjà commencer par cette application-là qui va vous permettre de, pourquoi pas, ne pas jeter un coup d'œil à l'application Badoo, voilà, si vous avez envie de vraiment changer votre statut de célibataire en rencontrant quelqu'un avec qui vous vous sentirez à l'aise. Donc c'est vraiment cette application-là que je vous conseille. C'est une application, comme je l'ai dit, qui va vous permettre de pouvoir découvrir des contacts qui sont à proximité de vous. Quand vous appuyez sur à proximité, vous allez voir une liste de personnes qui sont à proximité de vous. Ça dépend de quel titre vous avez mis. Si vous êtes un homme, vous allez voir des filles qui sont proches de vous en fonction de votre localité. Et vu que l'application utilise votre situation géographique pour pouvoir déterminer qui est proche de toi, tu vas voir des filles qui sont vraiment pas loin de toi que tu pourras contacter, échanger et aussi, pourquoi pas, voir plus loin. Et quand vous venez de rencontre, vous allez voir des filles qui ne sont vraiment pas aussi proches de vous, mais qui sont à peu près dans la même zone que vous allez pouvoir rencontrer. C'est des photos qui vont défiler et tu vas soit aimer la photo ou bien dépasser la photo, ça dépend. Pour une question de droit d'auteur, je ne veux pas appuyer sur à proximité ou rencontre, sinon la photo des gens vont s'afficher. C'est vraiment pour une question de droit d'auteur que je n'ai pas envie d'appuyer chez vous. Lorsque vous allez pouvoir créer votre compte, vous allez voir que vous allez voir une liste de photos et vous allez pouvoir soit causer avec ces personnes-là ou non. Lorsque vous venez dans discussion ici, vous avez cette possibilité-là de pouvoir voir avec qui vous avez eu à échanger. La discussion s'aligne directement ici. Ici, vous venez dans votre profil, vous allez voir déjà votre photo de profil, votre nom et tout, et vous allez pouvoir soit compléter votre profil. Lorsque vous venez ici, vous allez voir votre activité. Vous voyez que moi, je viens à peine de télécharger l'application pour vous présenter, raison pour laquelle vous voyez que c'est votre mon activité est vraiment très basse. Donc, vous pouvez améliorer votre activité, causer avec des gens. Donc, c'est une application super pratique, super aussi utile pour ceux qui sont vraiment en manque d'amour, qui veulent vraiment se faire des rencontres, que ce soit amical ou bien amoureux, ça dépend de dans quelle thématique vous vous mettez. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Pour avoir l'application, c'est vraiment tout simple. Vous allez venir sur Play Store ici et vous allez rentrer tout simplement Badoo. Voilà, vous allez rentrer tout simplement Badoo ici et vous allez tomber directement sur l'application. Comme vous pouvez le voir ici, matcher, discuter et rencontrer, où vous allez pouvoir trouver des gens qui vous apprécient tel que vous êtes, et aussi vous allez pouvoir faire de belles rencontres près de chez vous grâce à le bouton à proximité dont je vous ai parlé et tout. Voilà, et vous allez même des appels en visio où et quand vous voulez, vous pouvez échanger avec ces personnes directement avec la webcam. Si vous n'êtes pas trop sûr de qui avec vous causez, vous pouvez échanger avec ces contacts-là directement via la webcam et tout. Et vous allez pouvoir aussi trouver des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt avec vous. Donc c'est vraiment super. Vous pouvez discuter avec des gens qui ont fait de vérifier leur profil par photo. Donc ça, c'est super, super génial parce que lorsqu'on est sur un site de rencontre, on se dit, est-ce que la personne qui est derrière le profil est vraie ou tout? Vous avez cette possibilité-là.
L'application va vous permettre de pouvoir vérifier, causer avec des personnes qui ont eu à vérifier leurs photos. Là, vous allez pouvoir échanger avec ces personnes-là en toute tranquillité. Donc, comme je l'ai dit, l'application se nomme Badoo. C'est sur Play Store et Apple Store. Vous pouvez profiter pour vous faire un maximum d'amis et pourquoi pas des rencontres. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et toi aussi à aimer cette application pour ne absolument rien rater. Portez-vous bien et restez branchés pour les prochaines applications. Ciao, ciao.